Salut à toutes et à tous, c'est Kirk Slum qui fait des vidéos tous les 8 ans. Ouais, tous les 8 ans, c'est déjà bien, hein. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo tutoriel sur Left 4 Dead 2 qu'on m'a énormément demandé, histoire de continuer ma série, augmenter son skill sur Left 4 Dead. Et donc, pour cette petite vidéo, je serai accompagné de Jimmy qui va m'aider, qui n'est pas avec moi sur TS vu que je me suis mis dans un channel isolé, mais il va m'aider pour paramétrer tout. C'est vraiment simple, c'est pour lancer des parties en mode ConfoGL, donc en mode match, compétition et tout. Pour ce, je vais vous montrer deux techniques différentes. La première est la plus simple, donc c'est de lancer à partir d'un serveur du groupe Steam. Pour lancer d'un serveur du groupe Steam, il faut que vous soyez dans un groupe Steam qui a des serveurs Steam, c'est-à-dire des serveurs Left 4 Dead Compétition. Je vais vous montrer un exemple assez simple, et un exemple on va dire qui me concerne vu que je suis admin de ces serveurs. Donc je vais aller dans le groupe PWG, c'est l'un des trois groupes les plus utilisés sur Left 4 Dead pour le mode compétitif, donc le mode ConfoGL. Vous avez juste à rejoindre ce groupe, mais vous ne pouvez pas le rejoindre si facilement. Faut être dans le groupe, et pour être dans le groupe, faut que vous soyez invité par un admin. Donc ajoutez-moi sur Steam, je suis admin de ces groupes. Donc je vous ajoute, pas de problème, je vous ajoute sur ce groupe. Et donc comme ça, vous pourrez lancer en mode compétitif des parties. Pour ce faire, donc lancer les modes compétitifs, vous devez prendre serveur du groupe Steam, et après, tout simplement faire démarrer le jeu. Quand vous serez là, vous aurez tout les plein de serveurs, voilà là le nombre de serveurs. Donc moi j'ai pas que les PWG, vous voyez que j'ai Belfast Legend, LKD2TV, Sir Please, les groupes Icekill, j'ai plein de groupes. Donc pour les mettre compétitifs, donc le groupe PWG, vous choisissez un groupe, par exemple celui-là, et donc vous faites rejoindre la partie. Ça va charger et ça va démarrer tout simplement, c'est vraiment simple. Là, on va zapper le chargement, juste comme ça on se retrouve directement en jeu et pour gagner du temps par rapport à la vidéo et tout. C'est pas Et cool, voilà, ça, on se retrouve sur le jeu. J'ai fait une petite coupure le temps du chargement histoire de gagner du temps. Une fois que vous êtes dans la partie, vous avez juste à mettre une commande très simple. Donc il y a beaucoup de commandes sur ces serveurs, plus ou moins utiles. Il y a prêt, pas prêt, boss, tank et tout. Mais je vais déjà vous montrer comment mettre le mode, donc le mode ConfoGL, et je vous montrerai dans une autre vidéo toutes les commandes qui existent. Donc vous mettez par l'exclamation match. Là vous aurez, donc il y en aura plus selon les serveurs et tout. Là j'ai pris un serveur où il n'y en a pas énormément. Donc là vous avez les 5 commandes. Donc selon votre mode vous allez choisir. Là je suis avec 10 000, donc on sera en 1 contre 1. Donc faites 4 pour le 1 contre 1. Et là vous choisissez votre config, donc pro mode, hunter ou deadman. Donc on va mettre en pro mode par exemple, et ça va lancer un vote. L'autre personne a juste à appuyer sur F1 pour accepter ce vote. Et donc lancer le mode ConfoGL. C'est vraiment simple. Jimmy a un petit bug, donc par rapport à ça, donc la personne aura juste à voter F1 pour lancer la partie. Tout de suite on se retrouve pour la deuxième technique.